Kufela Mabele. Baninga na biso na Afrique du Sud. Bazali ko bunda pona Mabele. Baninga na biso na Rhodésie. Bazali ko wela Mabele. Likambo ya Mabele. Likambo ya Mabele. Likambo ya Mabele. Likambo ya Mabele. Ce soir, je souhaite simplement rappeler pour vous qui en ce moment est capté, vous nous captez en direct de l'Afrique, c'est que ce qui a poussé cette réunion, eh bien, c'était à propos du point de presse qui a eu lieu ce samedi, le samedi passé, le samedi 20. Ouais, je vois, le samedi 20 ou le samedi 19. Avril 2014, sur la RNC, où il y avait le porte-parole du gouvernement congolais, M. Lamer Mende, au Malanga, et avec Madame la juge, Wivine Mouimba, eh bien, ils ont parlé sur la loi d'amnistie, on l'a bien suivi, mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous voulons quand même comprendre aussi ces choses qui se répètent à chaque saison, moi j'appelle ça comme ça, à chaque saison, parce que nous sommes en été, nous nous approchons vers l'été, de toute façon, eh bien, on attend encore l'amnistie, ce qui est déjà vu, déjà vu. Hein? Moi je vois. Akende seboyo Azalaki na posa ya banda Asekisa yeo Anana seboyo Azalaki na posa ya banda Basolola
Mawele kie ami kwa kio Kolo yanda koye konde kete Awaye Que c'est que de le Que c'est que de le Atende seboyo Azalaki na posa ya vanda Asekisa yeo Anana seboyo Azalaki na posa ya vanda Basolola Mawele kie ami kwa kio Kolo yanda koye konde kete Awa ilika kie apumbwe o Bandiku batangie seboye o Mukwano konda Shikupa namo Mino konda Shustan suri namda Mukwano konda Shibili pa damo Ilo bonda Shusta suri erda Anana seboye o Azala kina posa ya banda Asoli saye Oui, je voudrais d'abord m'excuser auprès de tout le monde, hein. C'est comme ça la régie avec ses interruptions et aussi la connexion. Je vais dire d'aller plus loin parce que aujourd'hui la nation a juste besoin de se réconcilier par rapport à elle-même. Je crois que si nous allons au-delà de nos opinions politiques, au-delà de nos dogmes, au-delà de nos chagrins, de tous nos fanatismes, nous arriverons à créer une nation beaucoup plus forte. Que c'est que les gens ne pourront pas. Moi, je donne l'exemple de Mobutu. Il a été le plus grand dictateur, mais son côté positif, il a fait à telle sorte que chaque Congolais vive là où il veut, au-delà de son ethnie. Et aujourd'hui, les gens se marient entre. Ça, c'est le côté le plus positif de Mobutu. Kabila le père, c'était pareil aussi. Il a réveillé à tous les Congolais le patriotisme, qui est différent du nationalisme. Je crois que les gens doivent aujourd'hui prendre conscience de la chose. Et Kabila le fils, moi j'ai toujours dit, s'il n'était pas quelqu'un de très conciliant, le Congo serait explosé. Et aujourd'hui même, vous pourrez aussi voir, constater, qu'il a beaucoup apporté, sauf que bon, personne ne veut le croire. Moi je ne dirais pas que le bilan est positif, non, il est ni blanc ni noir. Mais sauf qu'il a essayé d'ouvrir beaucoup de portes. C'est aujourd'hui aux Congolais, à chacun de saisir et de prendre conscience. Nous devons apporter, chacun de nous apporte quelque chose un peu plus de ce qu'il a, à sa hauteur et à son niveau pour que on puisse changer. Changer, c'est renverser la table, bousculer les mentalités. Bousculer les mentalités, ça veut dire nous devons aller au-delà de certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui sont très nostalgiques, que moi je ne suis pas. La nostalgie, c'est pas mon plat préféré. Je vois, quand vous allez sur Internet, vous discutez avec les gens, la réalité, il est là. Le Congo, il était en face d'un complot international. Et que dans ce complot international, il fallait se faire entendre. C'est ce que les Congolais doivent mettre en tête. Se faire entendre face au complot international pour que aujourd'hui le Congo arrive à émerger. Émerger, c'est-à-dire, c'est juste, le Congo a juste un problème. C'est juste retirer les 65% de l'argent, de son économie qui est dans l'informel, le mettre dans le formel. Et ça changera tout pour l'économie congolaise. Moi, je vois, il y a des gens qui amènent plein de formules, pourtant, et il est simple la chose.
je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, attendre tous les débatteurs et après, je donnerai certains. Moi, je crois que j'ai toujours voulu des débats, des échanges fructueux, pas des échanges, je vais dire, qui n'amènent rien. Je voudrais, à la fin de ces débats, que chacun ait quelque chose en lui. Ils se disent, voilà, j'ai obtenu quelque chose de l'autre, parce que je crois que c'est en échangeant, c'est en partageant qu'on s'enrichit. Hein, je vais finir. On a été au colloque de national de plateforme des associations congolaises. Il y en a eu beaucoup des associations congolaises représentées à l'Assemblée nationale. Et il y a eu même des députés français et certains politiques français qui étaient là. Nous avons invité le ministre conseiller de l'ambassade. C'était pour donner honneur à la RDC. On s'est dit, moi, je ne suis pas de la diaspora. Je suis un Congolais de l'étranger parce que j'ai encore ma nationalité congolaise. J'ai encore les droits que le Congo, veille sur moi, me donne tout ce qu'il a à donner parce que je suis encore un citoyen congolais. Je participe à la vie des Congolais d'une manière ou d'une autre. Voilà, je m'arrête là. Frédéric, vous voulez nous quitter? Frédéric, vous êtes encore là? Allô, Frédéric? Est-ce que Frédéric est là? Il a dit, je dois vous laisser, j'ai un cas à 21h. Voilà, il nous a quitté. Eh bien, chers auditeurs, Monsieur Kanga, je ne sais pas ce que vous avez parlé, j'ai eu du mal à vous saisir. On voudrait parler sur la loi d'amnistie accordée au M23. Je crois vous avoir entendu dire qu'il y avait une répétition des choses et puis après le reste, j'ai vraiment du mal à vous suivre à la loi. En fait, on y reviendra pour gagner du temps, c'est un simple podium. Eh bien, je tiens à souligner ceci. Chers auditeurs, auditrices, c'est un simple podium, nous tous nous sommes là. Si vous voulez participer, dire quelque chose, c'est le simple podium de la diaspora. Vous êtes de la diaspora, vous êtes en dehors du Congo, vous suivez les nouvelles du pays. On a amnistié quelques éléments, une dizaine des éléments de M23. Qu'est-ce que donc l'amnistie? L'espace Am Africa qui prône l'éveil de la conscience. Nous allons expliquer aux Congolais qui doit savoir ce que ça veut dire amnistie et par la suite les débats vont devenir intéressants. Eh bien, amnistie veut dire acte du pouvoir législatif qui efface un fait punissable, arrête les poursuites et anéantit les condamnations. Amnistie, acte du pouvoir législatif qui efface un fait punissable, arrête les poursuites et anéantit les condamnations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque un criminel, quelqu'un qui est coupable d'un crime ou s'est rendu coupable d'un crime, normalement la justice se doit exercer la loi et la punir. Mais lorsque on a recours à l'amnistie, c'est-à-dire on veut effacer la faute et on veut faire en sorte qu'il n'y ait aucune poursuite judiciaire ou législative. Chers auditeurs, cela veut dire, chers Congolais, ceci, que vous, la diaspora, surtout ceux-là qui aiment beaucoup faire des manifestations, lorsque les éléments amnistiés ont été déjà rendus effectifs ou bien sont déjà amnistiés, même si vous faites une manifestation, oh, on a tué, on a fait ceci, mais si déjà la législation, c'est-à-dire le pouvoir législatif dont vous voyez, comme vous avez vu madame la juge, c'est à propos de la vidéo, sur le auditeur électrique de la radio Amafrika, on va tâcher rapidement de trouver cette vidéo-là. Peut-être pendant le débat, on aura vous balancé un extrait. Eh bien, c'était le point de presse qui était tenu le samedi passé. C'est la radio nationale, la radio télévisée nationale congolaise, donc la RTBC. Eh bien, là, c'est à cause de tout ce qui a été dit là-bas,
c'est la diaspora. Certains partagent tout ça. Même moi, je suis, je n'appuie pas trop. J'avancerai des raisons à moi vers presque la fin. Mais en tout cas, pour le moment, les Congolais doivent savoir et devenir sérieux. Quand on parle de l'amnistie, sachez bien qu'il s'agit d'un coupable d'un crime quelconque ou d'une faute quelconque. Qui est responsable de son mal et qui normalement mérite d'être puni. Alors, mais lorsque la personne est amnistiée, cela veut dire qu'on est en train de l'enlever tout acte punissable. Donc, on voulait la punir, mais on la lève maintenant cette poursuite-là, judiciaire ou législative. Et c'est là qu'on appelle la mise. S'il vous plaît, chers auditeurs, veuillez vous calmer un peu. Il y avait un petit problème là. Voilà, donc c'est ça, c'est qu'on passait quand même à clarifier à tous nos auditeurs, auditrices de la radio qui nous écoutent. Donc, il faut d'abord comprendre de ce dont il s'agit. La loi d'amnistie rend innocent, en fait pas innocent, mais enlève tout acte, toute poursuite, hein, toute poursuite législative ou judiciaire au criminel. Alors, cette loi d'amnistie, apparemment, favorise les coupables, favorise les criminels. Et, bien entendu, on va aller en profondeur de ça, qui ont été amnistiés et pourquoi. Diaspora congolaise, si vous voulez défendre votre pays intelligemment, il faut maîtriser ce dont on parle et pourquoi on en parle. Au lieu que, après avoir, si vous marchez contre un élément qui a été amnistié, même si vous faites les mémos, vous envoyez à la CPI ou je ne sais où, ils vont tenir compte de ce qui a été amnistié à partir de l'intérieur de ce pays-là. Et cela, ça serait donc, c'est-à-dire, une démarche inutile. Alors, si vous êtes d'accord et si vous êtes contre, il faut vraiment argumenter aussi en contre. Êtes-vous contre? Et pourquoi vous êtes contre? Parce que moi, j'ai bien suivi la dame, la juge. Eh bien, j'ai bien même, j'ai été même surpris quand elle a dit que, ne vous en faites pas, ils ont reçu des lettres venant de partout. Que telle personne, il faut pas l'amnistier, il est coupable de ceci, cela, telle personne, ceci, cela. Ça les a coûtés, ça les a pris du temps, et c'est par la douleur qu'ils ont fait, accorder cet acte d'amnistie. Donc, quelque part, c'était quand même une affaire sérieuse qui nécessite que les Congolais arrivent à s'asseoir et parler sur ce problème de la loi d'amnistie. Donc, maintenant, chers Congolais, Monsieur Papi Tamba, il prendra certainement la parole. Donc, voilà. Et bien entendu, Monsieur Tamba, je vous ai lu. Voilà, donc je crois que nous sommes en train de parler, chacun va parler, et bien entendu, lorsqu'on est dans l'erreur d'une chose, eh bien certainement on en rappellera, ou bien on en contredira, parce que c'est un débat, c'est un symposium, eh bien, ça sera aussi quelque chose pour nous amener à la lumière, parce que les ténèbres, le noir qui contourne les Congolais, et qui fait que les Congolais ne s'attendent pas, tel collabo, tel combattant, tel ceci, ça ne joue aucun rôle du moment qu'on est à l'intérieur du pays. Voilà, chers auditeurs, c'est ce que j'allais dire. Donc, la loi d'amnistie, on a accordé à certains éléments de M23, nous ne sommes pas d'accord, mais il y en a aussi qui peuvent être d'accord. Monsieur Marcel Kang a parlé de la paix et de tout ça, eh bien, il aura sa parole par la suite, il a déjà pris, moi aussi j'ai déjà pris ma parole. Eh bien, j'essaie simplement d'expliquer d'abord la définition de l'amnistie. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Parce que notre ami est parti. Monsieur Papi Tamba, vous allez contredire ou prendre la parole tout à l'heure.
Mais en attendant, nous avançons avec nos analyses. Marcel Tanda avait déjà pris la parole. Nous passons la parole à la troisième personne ou le troisième invité, Monsieur Joseph Loco Bumbi, qui est sur Trinidad Tobago. Ça, c'est une île, un endroit où il a dit lui-même qu'il n'y a pas de Congolais. Il n'y a que des Africains de l'Ouest, de Nigeria, de Sénégalais et tout ça, mais Congolais, il n'y a pas, il est le seul. Mais cet homme a bien voulu être en contact avec des Congolais et c'est un habitué de l'Internet. Il est là, il lit beaucoup d'articles, il visionne beaucoup et jusqu'à ce qu'il l'a tombé, il est tombé sur notre site Amafrica et il a été captivé de tout ce qu'on était en train d'écrire et bien entendu nous a écrit pour suivre nos émissions qu'il avait du mal à capter l'adresse de la radio, bien entendu, parce que, chers auditeurs, nous vous signalons que nous avons un site blog. C'est un blog, mais qui est rendu un peu professionnel pour extraire toutes les publicités à africaworld.com. La plupart des gens, ils vont souvent là-bas, et quand on dit à la télé, ils ne comprennent pas qu'il faut faire simplement le point net. C'est là qu'on est directement à la radio. Et voilà, on a fait la connaissance avec M. Joseph Loco Bumbi, qui nous avait écrit et nous sommes mis en contact avec lui. Et depuis lors, on est attaché comme de patriotes. Lui aussi, il aura certainement quelque chose à dire à propos de la loi d'amnistie qu'on a accordée aux criminels, aux éléments de M23, par la ministre de la Justice, Mme Wibin Mwimba, que Papi Tamba a été de me corriger déjà par écrit. Vous ne voyez pas, nous sommes sur le plateau. Eh bien, M. Joseph Loco, je vous passe la parole. Maman Frisa, et bonsoir à tout le monde qui sont branchés, c'est Amafrica et discute. Je vous signale que vous avez 10 minutes d'intervention. Merci. Pas tellement long, mais je suis très content d'être en ligne avec vous. Je suis à Trinidad et Tobago, c'est un tout petit pays, un petit rien qui n'est même pas le Bas-Congo, là peut-être c'est Kin et une petite partie des Bandundu. Je suis le seul Congolais ici, je ne suis pas collabo ou je ne suis pas, comment on les appelle, les autres là qui font les brigands. Moi je ne suis pas de ce côté-là. Je suis un homme simple. Je suis un businessman. Voilà. Et je suis ingénieur. C'est ma présentation. Alors, je voudrais un peu retirer le mot des brigands que j'ai prononcé, mais on les appelle les combattants. Mais moi, je ne suis pas combattant parce que je ne suis pas de cette qualité-là et je ne le serai et je ne ferai jamais ça. Voilà. Je suis très fier de voir que le pays a accordé l'amnistie à un groupe de gens, mais qui n'est pas général. Je pense que M. Marcel Kanga qui a parlé et avec ce qui s'est dit, ce qui s'était dit sur la réunion générale que le gouvernement avait proposé, qui n'était pas une conférence générale, mais c'était une retrouvaille de tous les politiciens et la présidence ou bien le PPRD et son groupe, c'était sur un point qui est la cohésion nationale. Quand nous parlons de la cohésion nationale, nous voulons que le pays puisse être vraiment soudé. Nous tous, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, nous devons être unis parce qu'il y a eu tellement trop de morts dans le Kivu. Et cette guerre-là nous a coûté cher. C'est ça qui fait qu'on n'a pas pu développer suffisamment. Même les 5 chantiers du président n'ont même pas réussi suite à la guerre. Parce que tout l'argent doit être versé pour payer les armes, pour payer les militaires qui sont au front, et puis de suite, et les gens sont, et nous avons perdu beaucoup, même notre dignité. Je vous dis que ici, chez moi, et quand je parle que je suis congolais de la RDC, tout le monde veut seulement connaître à propos de la guerre de Kivu. Moi, ce qui m'a touché un peu, je voudrais que Papi Tamba puisse un peu éclairer l'opinion publique,
pour nous qui sommes à l'étranger, parce que nous n'avons pas de vraies informations, les informations que nous avons soit déformées avec la BBC ou bien avec, avec des journaux et ainsi de suite, mais la vraie information se trouve au Congo, à Kinshasa, précisément. Nous n'avons pas compris, cette loi, c'est pour la cohésion. Et j'ai vu même des mobutistes être graciés, des gens comme de Nganda. On les a libérés, ils peuvent rentrer au pays, faire tout ce qu'ils veulent, venir encore voler, venir tripoter le pays. Ils ont fait beaucoup, ils sont à l'étranger, maintenant on va les permettre de rentrer au pays, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, c'est bon. On peut libérer tout le monde, mais je pense qu'il y a des gens qui ne devaient pas être libérés, des gens qu'on devait continuer à les arrêter et être jugés. Par exemple, les gens qui ont commis des crimes de guerre dans l'est du pays, j'ai vu quelques gens des M23 ont été libérés. J'ai même appris encore aujourd'hui parce que j'ai lu dans un journal que le M23 a traduit le gouvernement congolais en justice. Parce que, selon le M23, il s'est préparé pour entendre que le gouvernement va amnistier tout le monde. Cela veut dire que les criminels, les secrétaires généraux du M23, c'est de suite. Bon. Ça, c'est le gouvernement. Mais je voudrais plus parler des gens qui sont précisément en prison chez nous, à Kinshasa. Je voudrais connaître pourquoi, si Papitamba peut nous expliquer, lui qui est de la mouvance présidentielle, pourquoi les gens comme de Guillaume Ndongala ne sont pas libérés, et le pasteur Coutinho, tandis qu'on a libéré, on a libéré quelques gens qui ont attaqué le palais présidentiel, avec le général qui est à Brazzaville, et lui aussi il est amnistié. Mais pourquoi on n'a pas libéré les autres aussi pour qu'on puisse balayer tous ces problèmes-là que nous sommes impliqués? Parce que les gens comme de Coutinho ne sont pas des criminels. Les gens comme Guillaume, il n'est pas un criminel. Oui. C'est ça le problème. Donc, on voudrait avoir l'éclaircissement. Et puis, notre projet, c'est si possible, le gouvernement peut aller un peu plus loin sur cette amnistie. De nous éclairer aussi sur la position de Laurent Kunda. Parce que on se disait que Laurent Kunda était congolais. Et nous apprenons qu'il est en prison au Rwanda. Oh, je ne sais pas comprendre ça. Comment quelqu'un qui nous a fait la guerre en tant que congolais et qui doit être arrêté au Rwanda? On ne sait pas bien, on ne sait pas digérer cela. Et c'est un général aussi, soi-disant que c'est un général. On ne sait pas comprendre. Il a eu le grade de général. Ou qui lui a donner les gardes généraux. Et c'est un M23. Bon, soit RCD, parce que RCD, c'est la suite de M23. On veut savoir pourquoi ces gens-là, des gens comme de Laurent Kunda, on ne peut pas les amnistier, mais pourquoi ils ne sont pas au Congo? Je sais qu'on ne parle pas de cela, mais c'est dans le cadre de l'amnistie des criminels, des gens qui ont commis des crimes de guerre, et des criminels qui n'ont, je ne sais pas, les autres sont aussi appelés criminels parce qu'il y a d'autres gens aussi qui ont été libérés. J'ai lu la liste, il y en a beaucoup. Mais sauf que la liste semble être un peu n'est pas tellement claire sur la position de Guillaume Ndongala et le pasteur Coutinho, qui semble être vraiment maladif et moribond. Alors si Papitamba peut un peu nous éclaircir sur le problème. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas possible qu'on puisse trouver vraiment une cohésion, une vraie cohésion, qui fera que nous tous, nous sommes unis maintenant, on oublie tout ce qui s'est passé comme des guerres, des histoires, on reprend à zéro et nous allons aux élections en 2016 et voir celui qui va gagner, aller avec des élections qui sont démocratiques. Parce que nous sommes un pays démocratique. Nous devons essayer un peu d'avancer jusqu'au point où nous allons arriver à être vraiment un vrai pays démocratique. Moi, je ne suis contre ni l'un ni l'autre, et je suis pour tout le monde, mais je suis aussi contre pour tout le monde. Parce que je ne suis pas pour les gens qui font la guerre,
Je ne suis pas aussi pour les gens qui peuvent arrêter les gens. Il y a des fois injustement. Et j'ai besoin de voir mon pays devenir un pays démocratique. Ça fera la fierté de nous tous, que ce soit pour la mouvance présidentielle, que ce soit pour l'opposition. S'il y a une vraie démocratie où les gens peuvent critiquer, parce que les critiques aidera notre pays à se développer. Je pense que, pour le moment, je ne dois pas trop monopoliser la parole. Je laisse la parole à Maman Amafuta de continuer avec les débats et donner aussi la parole aux autres pour qu'ils puissent parler. Merci, merci, monsieur Coco Joseph Adrien de Trinidad de Lago. Eh bien, on avance. Là, nous avons monsieur Tamba Papi, qui est aussi de la majorité et de la majorité présente et de PPRD. Du tout, ce que vous en pensez. Je suis là. Aux éléments de MP3. Parlez-nous aussi. Je suis là, maman Pisa. Oui, est-ce que vous m'écoutez là? Est-ce que vous m'écoutez? Justement, voilà. Donc, j'en suis sûr. Je viens d'avoir un message en direct de Kinshasa qu'on est en train de suivre à Kinshasa. Eh bien. Mes salutations à ceux-là qui nous suivent depuis tout ça là-bas. Eh bien, monsieur Kamba, parlez-nous un peu de la loi d'amnistie à cause de M23, que madame la ministre de la Justice, hein, que vous avez corrigé là, eh bien, avait accordé à ces éléments. Et bien entendu, je vais vous expliquer aussi un petit peu, si vous avez aussi écouté monsieur Joseph, le pauvre, vous voulez nous répondre, apparemment, c'est une question qui vous a adressée tout à l'heure. Mais quant à moi, j'aimerais, Papi Tamba, de lui faire une petite analyse de 10-15 minutes sur la loi d'amnistie accordée à ces éléments. Et bien entendu, nous rappeler aussi de ce qui avait été signé le 23 mars 2009 avec le même élément de CNDP, parce que le M23 n'est autre que les éléments de CNDP. Papi Tamba, vous avez la parole. Merci, Maman Fisa. Je pense que je dois malheureusement commencer par réparer certaines choses qui ont été dites ici. Par rapport à cette loi d'amnistie, il n'y a pas de loi d'amnistie pour les M23. Les dire, c'est de mentir aux Congolais. Ça n'existe pas. La loi d'amnistie est impersonnelle. Il n'y a pas une loi d'amnistie pour les M23. En revanche, il y a une loi d'amnistie pour les faits de guerre, pour les faits insurrectionnels, et pour des infractions à caractère politique. C'est ça la loi d'amnistie qui est sous examen, la loi d'amnistie dont nous allons parler. Je répète, c'est pour des faits de guerre, il suffit de lire la loi, c'est pour des faits insurrectionnels, et c'est pour des faits, et plutôt bien entendu pour des actes à caractère politique. Ça c'est la première chose qui convient de réparer ici. Donc les M23, comme tant d'autres mouvements, entrent que dans ces cadres selon que la loi les permet. C'est-à-dire si c'est des faits de guerre et qu'il y a des Congolais qui étaient concernés par les M23, ils entrent dans ces cadres-là. Mais ce n'est pas une loi d'amnistie pour les M23. Ça, c'est une première précision. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre un accord politique signé en 2009 avec une loi d'amnistie. L'accord politique signé en 2009, c'est un accord qui consistait à intégrer des éléments qui étaient une sorte d'accord de paix. Aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec la loi d'amnistie. Absolument rien à voir. L'accord ou les documents, pour ne parler que du M23, qui nous lie, c'est ce qu'on appelle la déclaration que le M23 avait faite à Nairobi, séparément de la déclaration que nous avons faite. Maintenant, revenons sur le contenu historique de cette loi d'amnistie pour éclairer les Congolais. Il s'est passé un problème. Le problème qui s'est passé, c'est que nous avons pu observer que le M23, qui prenait de plus en plus de volume, est arrivé à un moment à occuper Goma.
Là, c'était un fait qui avait créé de la sensation. Au moment où nous pensions qu'il devait se dégager une cohésion des Congolais autour de cette affaire pour se ranger derrière le gouvernement de la République, afin de bouter ceux qui étaient considérés comme étant nos ennemis communs, afin de les bouter ensemble, certaines voix discordantes ont même commencé à se faire la voix de M23 ou du Rwanda à Kinshasa. Nous avons senti une sorte de fissure. Ce constat a amené les chefs de l'État à tracer trois axes, que non pas seulement le problème de M23, mais de tous les problèmes, de tous les groupes armés qui se trouvent sur notre territoire. Notamment les M23 qui étaient les mouvements les plus importants. Les chefs de l'État a parlé de la voie politique, de la voie diplomatique et de la voie militaire. La voie politique a débouché sur la cohésion nationale avec les concertations nationales. Les concertations nationales ont parlé de la loi d'amnistie en marge de l'accord que nous avons signé, ou plutôt de la déclaration qui a été faite à Nairobi. Là, c'est dans le volet politique où on a parlé des différents faits qui doivent être amnistiés en vue de renforcer la cohésion nationale pour un nouveau départ. La loi d'amnistie remonte aujourd'hui à 25 siècles, souvent utilisée même à l'Antiquité, mais la première pratique, c'est-à-dire la première fois qu'on a fait recours à cette loi, c'était en 430 avant Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes à 25 siècles. Donc ce n'est pas une invention congolaise, ce n'est pas une innovation congolaise. La France elle-même, en 1789, a recouru à cette loi contre les révolutionnaires et les anti-révolutionnaires. C'était pour bâtir une nouvelle société française. Aujourd'hui, ils en tirent les résultats. Voilà comment est-ce que les délégués aux concertations nationales ont réfléchi. En concertation, on n'a pas parlé de M23. Lorsqu'on a parlé de la loi d'amnistie, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame qui risquerait de tromper les Congolais dans autre chose. Maintenant, sur les volets diplomatiques. De ce côté-là, le chef de l'État a engagé notre pays dans un processus pour que nous puissions maintenant arriver à obtenir la condamnation des États au niveau de la région et à obtenir leur implication, parce que la guerre qui nous est malheureusement ou qui nous a été malheureusement imposée n'était pas une guerre congolo-congolaise, c'était une guerre régionale. C'est-à-dire quoi? Il y avait des soutiens au niveau de la région. La première victoire diplomatique des Congolais, c'était l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans cet accord d'Addis Abeba, 11 États de l'Union africaine ont signé pour reconnaître que ça fait 10 ans, plus de 10 ans, que la RDC connaît des problèmes récurrents dans son territoire en termes de sécurité, et que cela est de nature, comme l'a dit M. Joseph Loko, cela est de nature à compromettre son développement. Et que, par rapport à cela, des États, certains États au niveau de la région, étaient considérés comme États complices de ce qui nous arrivait. Par rapport à cela, ces États ont couché leur signature dans les documents que nous avons appelés accord cadre d'Addis Abeba, où ils se sont engagés en disant que plus jamais ils vont déstabiliser notre pays, et en disant aussi que si nous avons des criminels de guerre, ou des criminels plutôt, des criminels qui sont recherchés dans des matières liées par exemple à tout ce qui peut toucher, comme je t'en ai dit, des faits de rébellion, ainsi de suite, qu'ils vont aussi se ranger du côté de la RDC pour pouvoir les extrader. Là, c'était devant la facilitation internationale. En revanche, la partie congolaise a pris aussi des engagements. Quels étaient les engagements de la partie congolaise? Le gouvernement congolais s'est engagé à dire que sur les plans internes, là, je parle du volet diplomatique, que sur les plans internes, elle va renforcer la cohésion entre les peuples, mais il va plutôt renforcer la cohésion entre les peuples. Il va essayer de résoudre les problèmes liés à notre décentralisation, les problèmes liés à notre démocratie, mais aussi, en vue de créer un nouveau départ, nous allons voir la possibilité d'amnistier certains faits de guerre. Voilà là où le mot fait de guerre maintenant intervient dans la loi d'amnistie qui sera générale, qui va maintenant prendre et les volets politiques et les volets
diplomatique. Alors, cet engagement du gouvernement congolais va être récidivé, il va y avoir récidive maintenant devant le Conseil de sécurité. Ce Conseil de sécurité, nous négocions la résolution 2098. Fait rare dans l'histoire du Conseil de sécurité que nous puissions avoir une résolution sans qu'il puisse y avoir opposition d'un seul État membre. Même le Rwanda, membre non permanent du Conseil de sécurité avec son mandat de 2 ans, était signataire de l'accord de la résolution 2098 qui a donné lieu à la brigade d'intervention. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les grands de ce monde réunis au Conseil de sécurité disent que nous comprenons que le Congo a des problèmes. Nous comprenons que le Congo est bousculé. Et nous savons que les Congolais doivent traquer les forces rebelles sur son territoire et nous allons leur apporter notre appui. Tous à l'unanimité les décident comme tels. Mais en même temps, vous Congolais sur les plans internes, réglez aussi vos différents problèmes. Et à ce niveau-là encore, nous avons encore pris l'engagement en matière de la décentralisation, de la démocratie et aussi en matière de quoi? De la loi d'amnistie. Voilà les contours historiques de la loi d'amnistie sous examen. Une petite parenthèse. Sur Internet, je suis en train de lire ces derniers temps les commentaires de nos amis combattants ou de nos frères combattants qui reviennent encore avec les mêmes discours qui deviennent pratiquement des chansons à répétition pour dire encore que voilà, on amnistie les M23, les M23 c'est Kabila, pourquoi on va amnistier les criminels de guerre, ainsi de suite. Mais la question, je l'ai posée. Les combattants sont les premiers à pratiquer la loi d'amnistie contre les M23. Ce sont les leurs qui ont été au M23 et qui le disent. Quand Roger Lumbala lui-même disait que je suis au M23, ou Félicien Boutèque le dit, ils sont pas avec, qui sont leurs amis? Ce sont des combattants. Quel est le châtiment qu'ils promettent aux membres du M23 qui les opposent? Ils ont déjà pratiqué l'amnistie contre les leurs. Il faut arrêter cette hypocrisie. Il faut arrêter ce langage qui est de nature à énerver la cohésion nationale entre les Congolais. Parce que tout cela est faux. Aujourd'hui, c'est démontré que le M23 n'a rien à voir avec Kabila. On n'a même plus besoin de s'étendre là-dessus pour dire que la loi d'amnistie serait un moyen pour Kabila d'amener le M23, qui aujourd'hui n'existe plus. Le M23 était appelé à s'autodissoudre. Nous en parlons de façon informelle comme ça, mais en réalité, il n'y aura plus jamais un mouvement reconnu à RDC comme M23, comme mouvement, parce que ça n'existe plus. Il est mort, le mouvement de M23. Donc, la loi d'amnistie, maintenant, a ses seuls contours historiques liés aux concertations nationales par rapport à notre diplomatie, et il fallait maintenant respecter les engagements. Là où maintenant le gouvernement congolais a fait fort, et là vraiment je tiens personnellement à féliciter les autorités, c'est que nous avons pu obtenir que l'amnistie ne soit pas généralisée, que l'amnistie soit au cas par cas. Et si l'amnistie doit être au cas par cas, on essaierait de sectionner aussi les domaines amnistiables, notamment les faits de guerre. Les faits de guerre sont traités différemment d'autres faits. Les faits de guerre, comme ça touche la rébellion, des gens doivent remplir des formulaires d'engagement qu'ils vont récupérer dans les ambassades à l'étranger, puisqu'ils sont à l'étranger. Non pas seulement qu'ils doivent commencer par l'identification, qu'on essaie de savoir si réellement ils sont congolais, mais en même temps, ils doivent s'engager sous peine de connaître la révocation de l'amnistie au cas où il y a récidive. Ils doivent remplir, dire leur nom, les noms de leurs parents, leur date de naissance, leur tribu, leur province d'origine, leur village d'origine. Par rapport à cela, l'État congolais ira contrôler pour voir si dans ces villages-là, il y a telle tribu, et dans cette tribu, s'ils connaissent telle famille. C'est un travail de sac. C'est un travail pour que les gens qui pensaient que hier on pouvait facilement faire la rébellion au Congo et se retrouver congolais par des mécanismes, hein, nous n'allons pas revenir dans cet épisode-là de l'histoire qui est très malheureux. Les gens ont pensé cela, aujourd'hui cela n'est plus possible. C'est au cas par cas. Mais en même temps,
La loi d'amnistie maintenant parle des faits qui ne sont pas amnistiables. Quels sont les faits qui ne sont pas amnistiables? Notamment les faits de viol. Notamment, c'est limité à 2006. C'est-à-dire, on ne peut pas parler des faits comme Marcel Kanga ici qui est parti, nous évoque la situation d'Eddy Kappel ou des gens qui ont tué le rang de Zé Kabila, alors que la loi d'amnistie ne l'évoque pas, parce que en 2006, je pense que le rang de Zé Kabila était déjà mort. C'est ça que nous... Les Congolais, généralement, nous aimons débattre des choses, mais nous ne lisons pas. J'ai même entendu quelqu'un dire que non, voilà, Roger Lumbala, d'abord, après plusieurs intox concernant Roger Lumbala, qu'il est à Kinshasa, qu'il va être amnistié. Maintenant, on revient encore à charge pour dire que Roger Lumbala sera amnistié. Mais Roger Lumbala est visé par un mandat d'arrêt international congolais. Qui a déjà lu le contenu de ces mandats? Si vous lisez les chefs d'inculpation au niveau de ces mandats, vous regardez la loi d'amnistie. Vous comprenez s'il est éligible ou s'il n'est pas éligible. Je peux vous le dire tout très sereinement, que Roger Lumbala n'est pas éligible. Si seulement les gens pouvaient se donner de la peine, hein, de la peine de lire. Lorsqu'aujourd'hui, on me parle de Coutinho, est-ce que les gens connaissent les chefs d'inculpation pour lesquels Coutinho était condamné? La loi d'amnistie évoque non pas seulement des cas de viol, mais des cas liés au terrorisme. Est-ce que les gens, et puis deuxièmement, les faits concernant Coutinho remontent de loin à 2006. On a bien limité la loi d'amnistie des faits qui ont été commis ou la commission d'infraction devait remonter à partir de 2006. Coutinho, c'était largement avant 2006. C'est là où je me dis que nous voulons faire des débats parce que nous sommes des Congolais, nous devons parler de notre pays, mais prenons le temps de lire, de nous renseigner, ça éviterait que nous puissions désorienter la population. Marcel Kanga, malheureusement qu'il soit parti, est en train de faire un amalgame entre des procédures d'intégration et une loi d'amnistie. Il nous évoque des cas qui se sont passés, qui n'ont absolument rien à voir avec une loi d'amnistie. J'aurais aimé engager ce débat avec lui, malheureusement qu'il soit parti. Maman Feza, je ne veux vraiment pas m'étendre là-dessus. C'est ici le lieu de dire aux Congolais que la loi d'amnistie qui a été votée, cette loi d'amnistie a une histoire. Cette histoire a des retombées politiques et aussi diplomatiques. Ça veut dire que c'est la nécessité ou c'est l'orientation des délégués aux concertations nationales, mais qui est adoubée par l'engagement de l'État congolais devant les institutions internationales. Donc ça veut seulement dire que le chef de l'État est tenu de l'abroger, surtout qu'elle est l'émanation du peuple congolais à travers la représentation nationale, c'est-à-dire Parlement et le Sénat. Le chef de l'État ne fait que l'abroger, plutôt que je le dis, ne fait que les rendre publics, les publier, les promulguer, voilà, ne fait que les promulguer. Et cette loi d'amnistie est impersonnelle. C'est pas une loi d'amnistie pour les M23, non. C'est une loi d'amnistie pour les faits de guerre, pour les faits insurrectionnels et pour des infractions à caractère politique. Voilà ce que dit la loi. Il n'y a que ces trois champs-là. En dehors de ces trois champs, il n'y en a pas d'autres. En même temps, la loi limite les matières qui ne peuvent pas être amnistiables. Et dans ces matières qui sont limitées, qui ne peuvent pas être amnistiables, regardez les mandats d'arrêt de Roger Lumbala. Prenez le temps de lire les chefs d'inculpation, vous comprendrez qu'il peut faire ses gesticulations en Belgique, faire des émissions qu'il fait, s'est rangé aujourd'hui du côté de la paix, on lui dira que c'est trop tard, il doit d'abord répondre de ses actes. Pareil pour des faits de Coutinho, qui remontent avant 2006, pareil pour Diomi qui est condamné pour viol. Le viol n'est pas pris en compte dans cette loi. Et pour ce qui concerne personne, particulièrement les faits de guerre, l'État congolais est très vigilant où il y a une fiche d'identification à retirer à l'ambassade où vous remplissez d'abord en donnant vos origines, c'est-à-dire le nom de vos parents, votre village et ainsi de suite. De la même manière que nous faisons quand nous allons chercher les passeports. En quoi est-ce que maintenant
des gens qui ont déjà amnistié les M23 et même viennent encore nous critiquer parce que ils ont déjà amnistié Roger Lumbala depuis longtemps. Ils ont déjà amnistié Félicien Boutéke, Martin Sali, Michael Ikala, tous les noms qui sont cités dans les rapports des Nations Unies. Ils sont toujours avec les combattants. C'est quoi cette crise de fou, de bourrer les oreilles des gens pour des histoires inutiles? Merci, maman Feza. J'ai répondu à vos questions, mais tout en disant que je n'aurais pas trop le temps de rester encore longtemps pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a d'autres obligations aussi qui nous attendent, mais je suis disposé à répondre aux différentes questions ou à faire l'échange avec des amis qui sont au niveau du forum. Merci beaucoup. Merci, M. Tamba, pour nous avoir fait quand même une bonne analyse sur la loi d'amnistie. Eh bien, merci encore de nous préciser que cette loi d'amnistie est accordée non pas au gouvernement de l'État, mais aux Congolais. Mais je suis en train de lire en même temps ici, devant moi, j'ai un document. Les Congolais, il faut lire. Il faut lire. Lorsqu'on lit des rapports, lorsqu'on lit des documents, parce que la lecture est en train de vous cultiver. Si vous lisez, vous allez mieux débattre ou mieux en parler. Mais lorsque vous ne lisez pas, mais vous agissez par l'émotion, c'est là où le monde ne va pas vous prendre au sérieux. Moi, en tout cas, je lis. Mais c'est à bas, vous avez dit, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous allez quand même essayer de répondre aux questionnaires des gens qui sont sur le plateau. Et bien, moi, je ne suis pas là pour jouer aujourd'hui simplement à la modératrice, mais je suis là aussi avec toi pour pouvoir aussi participer dans ces symposiums, c'est-à-dire, je me soucie aussi pour le cas de ces femmes violées et de tous ces enfants et de toutes ces victimes. Eh bien, voilà pourquoi on devrait quand même savoir un peu plus clair, parce que ça nous arrive aussi, même si nous avons la lecture, de ne pas tout lire non plus. Et certaines informations peuvent vous en échapper, comme tout à l'heure. Vous venez de dire que c'était le M23. Mais j'ai devant moi un article ici où on parle que l'Assemblée nationale avait approuvé le 4 février une loi sur la justice qui écarte toute poursuite contre les anciens rebelles du M23. Bon, en fait, si ils disent le M23 et que moi j'ai dit tout à l'heure aussi le M23, eh bien, je pense que c'est la même chose. S'il s'agisse des Congolais, je ne sais pas s'il n'y a pas eu aussi des Congolais dans le M23 ou bien il y a aussi des étrangers dans le M23. Donc là, je ne vois pas vraiment la différence entre être Congolais au sein du M23 et les autres ne sont pas des Congolais, mais qu'est-ce qu'on dit au M23? Parce que le M23, c'est le groupe de CNDP, un parti, un mouvement rebelle ou un parti, je ne sais quoi, qui a été autrefois aussi dans la majorité présidentielle. Donc je pense que le fait de se retrouver dans la majorité, ça leur rend un peu cette légalisation d'être vu comme des Congolais, en fait, Congolais légalisés, si on peut dire, je ne sais pas. C'est ça qui est un peu, hein, il faut aider la diaspora, parce que vous avez bien particulièrement vous étiez dans la diaspora, même si vous êtes au pays, vous savez bien ce qui se passe ici. Marque d'analyse, marque de réflexion sur un dossier donné, c'est ça qui fait qu'il y a un peu de confusion. On vous traite de collabos, alors que ceux-là, qui sont aussi au sein de M23, qui se sont présentés, comme vous avez dit tout à l'heure, le cas de M. Roger Lumbala, eh bien, lui, il avait accès à la diaspora, et les combattants, quelques-uns, l'avaient protégé. Donc, quelque part, le monde n'est vraiment pas au sérieux. Et je pense que, de toute façon, c'est là que non plus ne peut pas dire que quelqu'un soit de M23, et qu'il arrive dans la diaspora, et qu'on aille le faire ce qu'on appelle souvent ici, nous-mêmes, de moins qui voter. Ce sont des pratiques et des méthodes dont la loi ou les lois de ces pays, les états des droits, sont contre. Et là, du coup, c'est ce que j'ai toujours dit aux combattants, que la violence appelle la violence. C'est-à-dire, lorsque vous commencez à agir par la violence alors qu'il ne fallait pas, eh bien, la réplique est juste d'être plus de chance. Voilà pourquoi les combattants n'arrivent pas à comprendre que quelques-uns se font arrêter et tout ça. Ce sont des métaux. Ils doivent s'habiller du manteau de l'intellectualisme, excusez-moi. Ils doivent se munir de la maîtrise du dossier pour mieux débattre leur position.
Eh bien, tout le monde ne peut pas être pour Kabila, Joseph, mais tout le monde ne doit pas non plus gober n'importe quoi au pays. Monsieur Papi Tamba, l'article ici devant moi, eh bien, ça part bien de l'Assemblée nationale, les députés congolais qui avaient voté en février le projet de loi portant amnistie accordée aux anciens combattants du M23. Donc, il s'agit de M23 pour consolider la paix dans la région du Kivu. Ah bien. Apparemment, lorsqu'il y a les M23, peut-être à vous de nous préciser, au sein des M23, il y a des Congolais, il y a des je ne sais quoi, et c'est ça qu'il faudrait encore clarifier. Parce que pour nous, c'était ça le problème. C'était les M23. Les M23 étaient accusés à des crimes graves. Merci de nous clarifier déjà sur ce point que pas ceux-là qui sont rendus coupables de crimes, il n'y a pas d'amnistie générale comme disait Lambert Mende, et pas ceux-là qui sont rendus coupables qui ont commis des crimes de guerre contre l'humanité, et bien ces gens-là ne sont pas amnistiés. Que le combattant arrive aussi à comprendre ce dont il s'agit. Donc on a amnistié des éléments qui étaient juste coupables de faits insurrectionnels. Mais le fait de se trouver sur OM23. Papi Tamba, vous nous parlez ici sur accord politique du 23 mars 2009. C'était accord politique. Et c'était le genre de 7 DP qui aujourd'hui sont des M23. Il faut expliquer aux Congolais, même ici, même s'ils font étudier en Lingala, qu'est-ce que le Congolais doit se dire par accord politique et qu'est-ce qu'il doit se dire par l'amnistie. L'amnistie, on a déjà compris, vous avez expliqué tout à l'heure. Il y a une question ici aussi avec toi que vous allez quand même rapidement répondre pour gagner du temps. Que l'autre, il est en train de vous poser la question ici en écrivant, je ne sais pas si vous le lisez. Il dit ici, excusez-moi. Voilà, il dit, Papita, tu dis le dossier Pasteur Coutinho. Oui, il avait des armes dans son église. Quelle différence y a-t-il entre Coutinho et les gens qui ont fait la guerre, comme M23, Général Moudéné, les Mobutistes comme Gwanda, et tout ça. Il y a des questions qui sont posées, sont pour retirer les Congolais qui n'ont pas les vraies infos, non pas pour faire passer le temps, car nous voulons la paix pour tout le Congo et surtout pour le Kivu. Pas d'amnistie pour le M23, ils doivent être jugés brutalement, sans pitié. Voilà, Papi Tamba, c'est ce que vous avez. Première chose, je dois commencer par dire que l'émission que nous sommes en train de faire n'a pas pour fondement des articles et des journaux, des gens qui écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire, peut-être parce que soit ils comprennent mal les choses, soit parce qu'ils veulent désorienter l'opinion. Vous savez comment se passe la presse chez nous. Nous parlons de la loi d'amnistie. La loi d'amnistie a un contenu et non pas un commentaire dans la presse. Je tiens à préciser que la loi d'amnistie est impersonnelle. Ramenez-moi la loi d'amnistie et montrez-moi là où on parle de M23, ça n'existe pas. Je vous ai expliqué les contours historiques de cette loi. Et j'ai ajouté qu'il y a 3 champs essentiels concernés par cette loi, notamment les faits de guerre, les actes, les faits insurrectionnels, et des infractions à caractère politique. Et deuxièmement, la loi est limitée dans les temps. C'est-à-dire, on prend les faits depuis 2006. C'est simple, pourquoi est-ce qu'on prend les faits depuis 2006? Parce que dans le cadre des 1+4, on suppose que les Congolais se sont retrouvés à Saint-Sitien en 2003 et ils se sont entendus pour maintenant créer une sorte de cohésion en vue de commencer une nouvelle ère avec la démocratisation de nos institutions en 2006. Voilà pourquoi ils ont considéré 2006 comme point de départ. Sinon, ce sera trop facile de remonter jusqu'en 1960. Donc, Coutinho ne peut pas être visé parce que tant les délégués aux concertations que les engagements pris par le gouvernement congolais devant les partenaires sociaux et devant la communauté internationale ne permettent pas de traiter les cas Coutinho. C'est simple, nous n'allons pas revenir là-dessus. Pour essayer de le répéter plusieurs fois. La loi, il suffit de la lire. Maintenant, pour ce qui est du M23,
Je tiens à répéter par rapport à la question que la personne pose, qu'il n'y a pas de loi d'amnistie pour les M23. La loi d'amnistie peut ramasser certaines personnes et même certains membres des M23. Pour ce qui est des faits de guerre, non pas seulement pour les M23, mais pour les rebelles aussi, qui sont dans la périphérie de Kivu, qui ont essayé de sévir de ce côté-là, qui sont amnistiables, on commence par les procédés d'identification. Ils doivent remplir d'abord des fiches, s'ils sont amnistiables. On doit commencer par les identifier comme Congolais. Tout cela pourquoi? Parce qu'on doit réparer les erreurs du passé. Maintenant, vous me parlez des M23 en faisant l'amalgame entre les M23 et les CNDP. Moi, je vais vous dire une chose. Que s'il faut faire d'amalgame entre les M23 et les CNDP, faisons aussi d'amalgame entre les CNDP et les RCD, et nous irons très loin. Parce que les RCD aujourd'hui existent bel et bien comme parti politique dans l'opposition. Je crois que lorsqu'on parle de l'épopée Roubaix-Roi, les débats c'est pas au sein de la majorité, au sein de l'opposition. Lorsque Roubaix-Roi s'est présenté, était parmi, en première ligne, parmi les invités de Marc au congrès de l'IDPS. Tamba, monsieur Patrick Tamba. Oui, monsieur Tamba. Allô, allô. Oui, un instant. Vous parlez d'amalgame. Moi, je comprends bien ce que vous avez dit. Lorsque vous dites amalgame entre le M23 et le CNDP, je ne comprends pas. Parce que le M23 n'est déjà consigné le groupe de CNDP le 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et le groupe de CNDP. Alors, où est l'amalgame dans ça? Je suis en train de répondre à votre question. Je vous dis que le M23 et l'émanation, c'est-à-dire quoi? Des éléments qui ont composé le M23 sont partis, certains d'entre eux, du M23, du CNDP. Comme je vous ai dit que certains éléments du CNDP sont partis du RCD. Donc, s'il faut considérer, parce que des éléments sont partis du CNDP, qui se trouvent aujourd'hui dans la majorité, ça voudrait dire que il faut parler d'acquaintance entre la majorité et les M23. Poussons la logique plus loin. Donc, on parlerait aussi maintenant de l'acquaintance qui existerait entre l'opposition et les RCD. Nous disons que c'est un faux procès. Nous connaissons cet épisode-là, nous connaissons cette partie de l'histoire. On a déjà eu plusieurs occasions pour essayer d'expliquer cela. Le but de votre émission ici, c'est l'amnistie, ne nous permet pas de revenir encore sur ça, sinon nous allons nous perdre dans l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que les Congolais veulent comprendre, par rapport à la loi d'amnistie, qu'est-ce que cela d'abord est, et puis deuxièmement, quel est son contenu, et à quoi peuvent-ils s'attendre. Voilà ce qui est important. Or, ici, il y a déjà une sorte de désintoxication qui a commencé par rapport à cette loi, qu'on essaie de présenter comme étant une loi qui amnistie les M23. C'est vrai, j'ai dit que c'est faux de le dire. Ça ramasse tous les aspects en vue de la cohésion nationale. Et je vous ai dit que plusieurs États ont recouru à ça à des moments spécifiques de leur histoire. Il n'y a pas que la République démocratique du Congo aujourd'hui. Que gagnerons-nous si aujourd'hui des gens qui se rangent par des actes d'engagement en acceptant le processus d'amnistie et que ces gens-là seront logiques et conséquents? Nous gagnerons la paix. Nous gagnerons que les gens qu'on puisse au moins couper l'herbe de leurs pieds par rapport à toujours les velléités qu'ils ont toujours eues, par exemple, ou l'envie permanente qu'ils ont d'aller faire la rébellion. Voilà au moins les bits. Nous disons, la nation congolaise, que vous n'êtes pas professionnel de la rébellion, vous n'êtes pas accusé de tel cas, tel cas, tel cas. Écoutez, on est prêt pour accepter un nouveau départ, mais engagez-vous. Vous commettez un acte qui est, par exemple, susceptible de peine de mort, susceptible de 10 ans de prison, on va bien oublier. C'est ça l'amnistie. Mais engagez-vous que plus jamais, vous allez recourir à ça. Si vous recourez à ça une seule fois, le moment X, le moment T, plutôt M, plutôt, où vous serez interpellé, sachez que c'est comme une sorte de sursis qu'on va révoquer. C'est qu'il vous a dit que vous allez d'abord commencer par écoper votre première peine avant même qu'on puisse regarder la peine pour laquelle ou le fait pour lequel vous êtes en difficulté. Le but recherché, c'est la cohésion nationale et la paix. Et ça, ça a été le fruit des délégués aux concertations qui ont réfléchi et qui l'ont présenté au chef de l'État parmi les recommandations à mettre en place.
C'est quand même la volonté des Congolais aujourd'hui et c'est important pour l'histoire de notre pays. En quoi est-ce qu'on veut la présenter pour la diaboliser comme étant un moyen d'intégrer les M23? C'est écrit où? Les M23 n'existent plus. Ils ne peuvent plus exister. L'accord, plutôt la déclaration ou le communiqué final du M23 était clair que ce mouvement-là est un mouvement dissous. Les Congolais, des fois, nous devons lire au lieu de pourrir les oreilles des gens pour rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du M23, nous en parlons au passé. Ça n'existe plus, chers amis congolais, chers frères et sœurs. Ça voudrait dire quoi? Il n'y aura jamais de parti politique du nom du M23. Il n'y aura jamais un groupe de M23 qui va se retrouver quelque part pour composer, je ne sais pas, n'importe quel mouvement. Ce sont des citoyens lambda. Celui-là peut se retrouver à travailler à Vodacom s'il est recruté, l'autre peut se retrouver à faire des chants, l'autre peut revenir faire de la politique, hein, mais ça va être des orientations nationales. Ils ne viennent pas en tant qu'anciens membres du M23 qui n'existent plus, ils sont acceptés comme Congolais un point un trait, qui ils vont être noyés dans la masse. C'est ça le contenu de cette loi. Dire autre chose, c'est du mensonge pur et simple. Et des gens qui sont en train aujourd'hui de critiquer cette loi, je dois déplorer une chose que eux-mêmes ils ont déjà pratiqué l'amnistie. Comme ils disent aujourd'hui, au nom de quoi? Au nom de quelle logique? Si Papi Tambo aujourd'hui se retrouve à Bruxelles, faire l'émission devant Alimia, des Congos, je ne sais pas combien, des Pandas ou bien les amis de Wetchipito, comme ça a été le cas pour Félicien Boutek. Il fait l'émission et il reste tranquillement en Belgique. Si vous n'allez pas voir des gens se mobiliser pour dire que maintenant c'est le moment de commencer à chercher Papi Tambo pour les Lumbe Lumbe Mouete Mouete. En quoi est-ce que moi, qui n'ai jamais commis une infraction qui soit amnistiable, hein, chez eux j'aurai maintenant droit à des Lumbe Lumbe, mais quelqu'un comme Félicien Boutek qui lui-même déclare que j'étais au M23, c'est lui qui le déclare. Personne ne met ça dans sa bouche. Ils l'ont déjà amnistié. Est-ce que vous avez déjà entendu des mouvements de Lumbe Lumbe contre Félicien Boutek? Alors il faut arrêter cette hypocrisie de dire que non, voilà, nous sommes contre l'amnistie, contre les M23, et vous vivez avec les M23 que vous amnistiez. C'est quoi cette logique? Il n'y a pas d'amnistie pour les M23. Merci, Maman Faison. Papi Tamba, on vous dit clairement, nous, notre problème ici, notre démarche consiste à amener le problème qui fait débat, confusion au sein de notre communauté. On a dit, tel que le délai était, c'était l'amnistie accordée aux éléments de M23. Plusieurs articles, effectivement, on sait aussi qu'il y a aussi ce qu'on appelle la désinformation. Mais peu importe, on a aussi suivi Madame la ministre de la Justice aussi, qui a parlé, qui a expliqué comment ils ont été aussi contactés pour éviter de ne pas amnistier des éléments qui étaient coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, etc., etc. Alors, pour nous, dans l'ensemble, simplement, la loi d'amnistie, pour nous, ça ne nous arrange pas. D'autant plus qu'on espérait plutôt la justice, que la justice soit faite afin que les victimes en soient aussi consolées. Nous englobons l'ensemble, là, l'ensemble du dossier. C'est-à-dire, là-bas, on a traité un dossier cas par cas. Et cela, normalement, nécessite à ce que je viens de lire, aussi ce que Joseph Lecour vient d'écrire, qu'il serait aussi plus évident que le gouvernement publie cette loi d'amnistie et cette amnistie accordée aux personnes particulières et non telle qu'on l'attend directement dit amnistie au M23. Donc c'est comme si les M23 dans son ensemble ont été amnistiés. Et c'est ça qui a causé confusion et voilà pourquoi on en parle et on a lancé ces symposiums afin qu'on puisse en débattre. Heureusement vous êtes là pour expliquer un peu de ce dont il s'agit là-bas chez vous, puisque vous êtes proche
de la majorité présidentielle, le Congolais de la diaspora, pour la plupart des gens, ne lisent pas. Mais nous, nous avons quand même lu certains articles. Lorsque vous dites que nous débattons sur, par rapport à un article écrit quelque part, chacun peut écrire ce qu'il veut, eh bien, d'accord, chacun peut écrire ce qu'il veut, et je pense que le site aussi doit aussi tenir compte des informations qui sont réelles et non des informations qui sont totalement fausses, ce qui ne va pas arranger les choses non plus. Eh bien, ben simplement, il est vrai que nous sommes contre simplement. Nous sommes contre l'ensemble simplement du dossier. Monsieur Tamba qui veut alors nous quitter tout à l'heure parce qu'il a deux choses à faire. Alors, Monsieur Tamba, nous vous demandons de nous accorder de toutes ces 10 minutes pour permettre à ce que Joseph Loco ait sa réponse. Il vous a posé la question. Si vous partez à la hâte, le symposium sera alors incomplet et alors on aura à continuer ces sujets une autre fois. Monsieur Tamba, est-ce que vous pouvez répondre à Joseph Loco? Allô? Oui, Joseph, monsieur Joseph, monsieur Loco. C'est parce que je pense que cette loi a été préparée quand il y avait les concertations pour vraiment qu'il y ait la cohésion nationale. Mais sincèrement, de la façon dont je vois, je pense que nous risquons d'échouer. Nous risquons d'échouer parce que s'il y a quelques gens qui sont là encore en prison, qui nécessitent d'être libérés pour vraiment que nous soyons bien. Je sais que pour les gens du M23, non. Mais il y a d'autres, il y a des gens qui semblent. Ça semble être. Oui, non. Je vois qu'il y a, des pièges que le gouvernement aussi a mis dans cette loi d'amnistie qui risque de ne pas amener la paix à 100%. Parce que le plus grand problème, c'est la paix. C'est la paix. Moi, je ne suis pas combattant. Je ne fais pas ce que les combattants font avec la fougue là, cette sorte de brutalité là qu'ils sont. Mais je suis en train de voir la situation dans les Nord Kivu. C'est que les gens, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des petites guerres encore, même si le M23 est parti, mais il y a encore la guerre. Je viens de lire encore que notre force continue à se battre. Tu vois, c'est ça que nous voulons. Nous voulons que les armes se taisent. Est-ce qu'il y a-t-il possible de trouver avec tous ces gens-là et discuter avec eux et les libérer, mais leur demander d'arrêter les armes, d'obéir à cette loi d'amnistie et les armes pour que nous puissions avoir la paix, que vraiment les gens puissent être libres, parce que ça ne va pas, mon frère Tamba. Je vous écoute, hein? Non, je suis là, je vous écoute. Oui, je viens de terminer. Moi, je pense que le gouvernement a mis des pièges qui font que nous ne pouvons pas donner l'amnistie, surtout aux gens qui sont dangereux, qui peuvent continuer à tourmenter le peuple. Le plus grand problème, c'est le peuple. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Merci beaucoup, monsieur Joseph Loco. Je n'ai pas vu de questions d'avance. Vous êtes Congolais, comme tout Congolais, a droit de faire sa propre analyse et surtout d'exprimer aussi ses émotions par rapport au fait qui touche la société. Mais je pense que je ne connais pas trop là où vivaient les. Si c'est les îles là-bas, je ne connais pas trop. Mais néanmoins, je peux vous parler un peu de la France, que je connais un peu pour y avoir vécu. En France, il y a une pratique, il y a une tradition qui s'est exercée par le passé. Je pense que cela a été aboli par le président Sarkozy. C'est que chaque 14 juillet, pour des gens qui étaient en détention, on leur accordait la grâce présidentielle. Mais on essayait de limiter les infractions des gens qui ne pouvaient pas avoir droit à cette grâce présidentielle.
C'est logique partout au monde. Vous me suivez pas? Allô? Ah, merci beaucoup. Il y a des faits qui ne peuvent pas être graciés. C'est presque partout pareil au monde. On ne va pas dire qu'on va mettre en place une loi d'amnistie générale qui n'aura pas de limitations dans les temps et qui en même temps n'aura pas aussi de limitations dans l'objet. Ça ne se fait pas là, c'est consacrer l'impunité. C'est vraiment consacrer l'impunité. Pourquoi pensez-vous aujourd'hui que des gens sérieux de ce monde, notamment l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, notamment l'Union africaine, notamment la CIRGL, notamment la SADC, toutes les organisations auxquelles nous participons, toutes ces organisations félicitent la mise en place du gouvernement congolais par rapport à la mise en place de la loi d'amnistie. Vous pensez qu'ils vont féliciter comme ça parce qu'ils aiment notre pays? C'est parce que c'est une loi qui a été bien pensée, qui a été bien négociée et qui évite beaucoup d'erreurs qui peuvent faire l'inquiétude des Congolais. Ne serait-ce que par ces procédés d'identification. Le seul problème qui est là, que je peux comprendre, c'est que je constate que je fais généralement, surtout quand j'essaie de lire dans les réseaux sociaux, je comprends facilement que beaucoup de gens ne comprennent pas les contenus de cette loi d'amnistie et ne comprennent même pas que veut dire loi d'amnistie. Parce que lorsque je vois des gens faire d'amalgame, je vois des gens faire une comparaison entre la situation de 2009, parler des accords politiques, les comparer avec la loi d'amnistie, je me dis que ça pose déjà un problème. J'ai vu M. Marcel Kang au début prendre la parole, qui allait dans tous les sens, sauf là où il devait être, c'est-à-dire là où peut se trouver la vérité. En tout cas, cher ami, malheureusement, le temps nous fait vraiment défaut parce que, vous pouvez bien le constater, ça fait plus d'une heure trente que nous sommes sur les plateaux. Ce qui voudrait dire que la volonté est là et que nous avons bien voulu consacrer le temps à tout cela. Mais nous avons d'autres obligations aussi qui ne peuvent pas faire que nous puissions nous éterniser sur la radio. Donc, nous pouvons continuer cet échange dans un autre cadre. Je vais m'excuser en tout cas, mais je dois vous quitter là. Merci beaucoup. Ok. Merci, M. Tamba, papy, de nous quitter. Bon, vous nous quittez simplement comme ça, il fallait une conclusion, ben voilà. Joseph Loco, je pense que vous n'avez plus rien à dire. Monsieur Marcel Kanga, il a un problème de connexion. Je viens de parler avec lui. Nous avons Babacha, ma papita Mbatiniti, qui n'arrange vraiment pas les choses, qui était important, mais il fallait étudier. Monsieur Chababa, vous voulez dire quelque chose? Je vous vois écrire là. Oui, Chababa. Question à Papi Temba, mais malheureusement il est parti. Moi je voudrais demander à Papi Temba s'il a le test promulgué par le gouvernement, contenant, n'est-ce pas, les principes sur lesquels on a amnistié certains prisonniers et d'autres non. Donc, si on a le test promulgué, là, l'on pourrait comprendre que, ah voilà, donc, ceux-là ne font pas partie et que voici les principes sur lesquels d'autres en ont bénéficié. Pour éviter, n'est-ce pas, le parti pris, bon, on a libéré celui-ci. C'est que c'est cela, parce qu'on ne peut pas, bon, lui, il a expliqué, mais est-ce que le test même élaboré sur les principes pour lesquels on a libéré certains, est-ce qu'il a ce test-là?
Oui, parce que bon. Moi, j'ai les textes. Moi, j'ai les textes. Je vais envoyer ça chez maman. Je vais t'envoyer un email que j'ai reçu. D'accord. Oui, je vais t'envoyer ça. J'ai sorti des États-Unis. D'accord, merci, monsieur Joseph. Oui. Mais les plis. Oui. Oui. Parce qu'on arrive là, maman, le plus grand problème, c'est le Kivu et une partie de la province orientale, là, des provinces de Ozaïre. Je vous dis que parce que peut-être que nous vivons ici, c'est pourquoi nous sommes là en train de parler seulement. Mais je vous dis, les gens souffrent. Donc, s'il y avait moyen de trouver un compromis avec tous ces diables-là qui vivent là-bas, qui sont en train de tourmenter le peuple, il fallait quand même trouver une solution. Pour qu'on arrête la guerre, ça ne doit pas toujours continuer. On doit trouver des pacifiques. Parce que même s'il faut se battre, la population va continuer à mourir. Les gens là, les Loni, ils sont là, ils disent qu'ils sont venus protéger la population. Mais quand la boulette est lancée avec un fusil. Ça ne choisit pas. Hein? Ça ne va pas seulement tuer les rebelles. Ça va tuer aussi la population. C'est ça le problème. Alors maintenant, continuerons-nous à se battre pour sacrifier notre population pour nos intérêts? Il y a des fois qui sont personnels, je vous dis la vérité. Il y a des intérêts personnels sur notre guerre qui se passe là à l'Est. Il y a des intérêts personnels. Il fallait quand même qu'on songe à la population. S'il y a moyen de rencontrer tous ces gens-là, il faut les rencontrer. Les chefs des miliciens de chaque milice, les rencontrer, leur demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour que vous arrêtez la guerre, parce que ça ne doit pas... La guerre est en train de tout fait le développement de notre pays. Et il fallait que ça puisse quand même s'arrêter. Le gouvernement a mis des pièges dans la loi d'amnistie. Cette loi-là ne va pas réussir. Oui, monsieur Joseph. Oui. Voilà, moi, malheureusement, Papi Temba est parti. Normalement, si vraiment il fallait pratiquer la loi d'amnistie, bon, il fallait d'abord voir les cas, les plus brûlants. Bon, si on détient un prisonnier, bon, si nous prenons le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, hein, si vraiment on veut la réconciliation, bon, il fallait déjà juger Gbagbo ou bien juger les autres prisonniers, les cas brûlants. Parce que il y a beaucoup de populations qui soutiennent ces gens-là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont encore en prison. Bon, si ces prisonniers dont on nous parlait de Coutinho, etc., peut-être que il y a une grande partie de la population, hein, qui sont contre bon ce prisonnier-là. Mais si vous laissez ce cas, vous allez libérer des gens comme ça, des gens vulgaires, dire que ah voilà, il y a amnistie, et vous laissez ces gens-là. Moi, je vois qu'il y a inégalité. Vous voyez? Et aujourd'hui, si nous parlons de la réconciliation pour qu'il y ait une cohésion, bon, ça doit commencer entre les gens eux-mêmes. Parce que au début, on nous a expliqué bien que le problème du Congo est ethnique. C'est triste. Et que peut-être ceux-là ont eu déjà la présidence, mais maintenant c'est notre tour, etc. Donc, alors là, il... Mais plutôt de voir plus loin. Pourquoi nous voulons voter celui-ci? Est-ce qu'il peut amener la paix au pays ou pas? Non, ça ne va pas pour nous. Voilà. Nous remarquons une très grande division ethnique, même dans la diaspora ici. Il n'y a pas eu de... Oui. Je vais
Ok, merci, je vous repasse la parole. Voilà, 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 il y a l'appel rapidement, on va voir tout ce qui nous appelle. Bonsoir, bonsoir, c'est qui est en ligne au téléphone? Oui, allô? Oh, Marcel Kaga. Voilà, Marcel Kaga, il est là, il a appelé. Bon, voilà, on est arrivé à la fin, la conclusion par rapport à ce qui est dit. Papi Tamba nous a déjà quitté, il s'en est excusé. Et là, je faisais juste ma conclusion aussi à moi. Monsieur Marcel Kaga, je ne sais pas si vous pouvez dire aussi un mot, quelque chose sur la loi d'amnistie qui vient de se débattre, malgré que vous avez des problèmes de connexion. Dans ce cas-là, je vous passe la parole. Un dernier mot pour ce podium sur la loi d'amnistie. Je tiens à souligner, selon Papi Tamba, ça reste à vérifier aussi sur celle qui a demandé les tests promulgués par Chababa. Donc, Papi Tamba, il a dit que cette loi d'amnistie, ce n'est pas au M23, mais c'est à quelques éléments qui ont été coupables de faits insurrectionnels. Donc, c'est cas par cas. Et ceux-là qui sont coupables aussi de crimes contre l'humanité, eh bien, n'ont pas été amnistiés. Donc, c'est-à-dire, nous aurons besoin d'un texte promulgué afin de pouvoir les lire et comprendre en entier de cette loi d'amnistie. Monsieur Marcel Bakaga, je vous passe la parole pour votre conclusion. Merci. Non, ben, je voudrais juste dire que, voilà, le Congo est en pleine reconstruction et on doit reconstruire le pays, je vais dire, humainement, reconstruire le pays, globalement et réconcilier la population, par rapport à tout ce qui s'est fait et réconcilier le peuple et les politiques. Le problème, c'est qu'il y a une fissure entre les deux. Sauf que le politique écoute moins aussi la population. Aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'il y ait de telles lois pour permettre qu'il n'y ait plus des esquives par rapport à la communauté internationale. Parce qu'on a vu la dernière fois, Kabila avait, de manière officielle, fait entrer l'armée rwandaise au Congo pour pourchasser les FDLR, parce que les FDLR étaient une, voilà, je vais dire, une monnaie d'échange pour Kagame, et à chaque fois, c'était ce prétexte-là pour attaquer le Congo. Aujourd'hui, je crois qu'on doit amnistier tout le monde pour qu'il n'y ait plus de, voilà, des prétextes, soi-disant, je suis là, je suis opposant parce qu'il y a ça, parce que je peux me faire arrêter. Que tout le monde aille, que tout le monde ait le droit de dire un mot et que ce soit le peuple qui juge. Voilà. Pendant les élections, que la population puisse juger, qu'il donne à celui qui veut le pouvoir. Voilà, c'était ça ma conclusion. La diaspora aussi, hein? Eh oui, mais la diaspora fera partie, tout le monde. Allô? Voilà, c'était ça ma conclusion. On dit toute la radio en Africa. Nous sommes arrivés à la fin, je dis bien à la fin de notre symposium. Et bien entendu, pour d'autres questions, pour d'autres sujets, on reparlera en notre studio plateau. On ouvrira encore les ondes de la radio pour débattre sur l'actualité de la RDC. Nous aimons portons à cœur et bien entendu que nous la voulons vivre en paix. Quant à nous vous souhaitons une très bonne soirée à vous. Très bonne journée aussi là-bas à Trinidad et Tobago. Il doit être
Je pense bien. 16 heures chez vous là-bas, monsieur Joseph Loco. Voilà, Trinidad et Tobago, il est 16 heures. Vous voyez comment le monde, c'est un peu, donc là-bas, c'est la journée. Donc, bonne journée à vous, hein. Donc, voilà, et on attend le texte à question. Voilà. Merci beaucoup. Ok, bonne soirée à vous, bonne journée à Trinidad, à tous les Congolais ou à tous ceux qui sont vers Trinidad. Bonne soirée à tous ceux-là qui nous captent aussi de l'Europe. Bonne soirée aussi à ceux-là qui nous captent aussi de l'Afrique là-bas, RDC, en République démocratique du Congo, que nous évoquons. C'était donc Symposium de la diaspora face à la loi d'amnistie, qu'on était contre l'amnistie en général. Donc, tout simplement, dès qu'on est coupable de faits insurrectionnels, que ça soit comment, même si c'est difficile ou comment, mais bon, on était simplement contre, il fallait quand même le punir. On a dit, pour consolider la cohésion nationale, il était nécessaire que certaines personnes en soient amnistiées. Et bien voilà, et bien voilà, et bien voilà, les autres ont voulu aussi me remettre le cas de Yuri Dogala, de Tutino Fernando et tout ça là, donc là, ça ne rend pas les choses. Nous sommes là pour les gens de guerre et de ces institutionnels. Enfin, les dossiers, Yuri Dogala et autres. Nous en reparlerons peut-être, hein, je dis bien peut-être parce que nous sommes vraiment entourés de beaucoup, beaucoup de sujets à débattre sur notre plateau à Makutawa. Chers auditeurs, restez branchés sur notre chaîne. C'était donc la voix de Mama Feza, de l'éveil de la conscience. Mama Feza, la patriote qui éveille la conscience patriotique et bien entendu, Am Africa World, la radio du donner du recevoir vous a donné l'information, vous a donné, hein, c'est-à-dire l'éclaircissement sur la loi d'amnistie. Moi et dans la personne de Papi Tamba, qu'il soit aimé ou pas aimé, mais ce qu'il dit, ça nous amène à la réflexion. Bonne nuit et au revoir. Namboka mopaya, nania, sungayo, pasina pasie, kakei, kasito, na kotsonga, tandeleo, kopembo, etali, devi wakeo, wateo, kakei, kasito, na kotsonga, koyanga ba, koyambanga, kopembo, etali, devi wakeo, na kotsonga koka, kakei, kasito, na kotsonga, kayama, Zonga,
Son Angola, Patrick Okufela Mabele. Baninga na biso na Afrique du Sud, Bazaliko Bunda Pona Mabele. Baninga na biso na Rhodesie, Bazaliko Wela Mabele. Ikambuya Mabele. Oh, Ikambuya Mabele. Ikambuya Mabele. Oh, Ikambuya Mabele. Because of the land, now I'm